fait biche bien ou quoi la patate, la bouillabaisse jusqu'au sourcil. Bang bang, aujourd'hui c'est moi le petit Marseillais NFG qui suis chargé de vous faire le petit commentary de la obscure clan, les amis. Ça me fait tellement plaisir quand je passe sur cette chaîne. On est plus de 4000 abonnés, je tenais personnellement à vous en remercier. Je sais que ça a déjà été fait dans l'ancienne vidéo, mais quand même 4000 abonnés, je veux et je me dois de vous remercier. Aujourd'hui, pour vous faire, je pense, kiffer, vraiment pour vous faire plaisir, on a décidé de vous mettre du gros, du très très lourd. On se retrouve avec un gameplay, une pure folie. Des gros gameplays sur l'obscur, j'ai l'habitude d'en commenter, mais des gameplays d'une aussi grosse qualité, c'est assez rare. Aujourd'hui, on est avec le joueur Zaox ma biche. Et maintenant, now, tu mets pause. Tu vois, tu mets pause et tu vas bombarder l'espace commentaire en félicitant le player. Tu vas bien évidemment dans la description et tu t'abonnes au player pour suivre un peu tous les gros carnages qu'il va te faire, parce que clairement ce type dans sa tête c'est un dégain. Il est vraiment fou et il nous le prouve aujourd'hui avec tout simplement une penta nucléaire sur Call of Duty Black Ops 3. Alors si t'es comme moi que tu es un peu un noobie de la performance, penta nucléaire c'est tout simplement 5 nucléaires en une partie. Je sais pas si t'imagines un petit peu le délire, 5 nucléaires nous a réalisé un plus de 190 kills. Il a foiré le 200 kills à pas grand chose, mais quand même, dans l'ensemble, il y a 5 nucléaires, 5 séries de 30, c'est juste énorme. C'est juste énorme le gameplay, c'est une folie. On est sur Call of Duty Black Ops 3 sur la map Fringe, il joue avec sa petite Razorback et lui, il la manie bien la Razorback. Tu vas voir ses déplacements, tu vas voir son shoot, c'est une tuerie, c'est un dégain ce type, je le redis, un gros GG à toi. Je vais pas ouvrir le petit débat aujourd'hui, groupe de 6, je sais pas quoi, bien évidemment, c'était en groupe de 6 ce gameplay, comment tu veux réaliser 5 nucléaires en une partie sans te faire aider? Tu peux pas jouer comme ça en solo avec des randoms qui vont prendre des positions, pas prendre des positions, faut réellement être synchro, bien gérer le respawn ennemi, des choses comme ça, c'est du spawn kill, mais évidemment tu l'as compris, 190 kills, comment tu veux réaliser ça en solo? C'est impossible. Du coup voilà, c'est du groupe de 6. Une quad nucléaire, bon, je veux bien que vous critiquiez un petit peu, etc. Il n'y a pas de souci. Mais là quand même, une penta nucléaire, on ne peut pas critiquer, on ne peut que féliciter. Du coup, je félicite le player et c'est à vous de bombarder l'espace commentaire. On va bien évidemment tester d'envoyer cette petite vidéo, je pense à code QG, code CF, la petite base. On vous remercie les chaînes communautaires si vous nous acceptez, c'est un petit peu évident. Et aujourd'hui, je vous ai trouvé un petit sujet, un petit commentary qui nous concerne tous. Les plus jeunes, ça concerne vos parents, et les plus vieux qu'on le permis, eh ben, ça vous concerne directement. C'est une nouvelle réforme qui est sortie il n'y a pas très longtemps, qui est en train de se mettre en place un petit peu, voilà, la YouTube monnaie de l'État. Vous savez ce que c'est les PV, tous les bordels de la route, toutes les amendes que tu te prends, ça va directement à l'État, et c'est leur petit gagne-pain. Et aujourd'hui, ils ont tout simplement trouvé un autre système pour nous faire chier le plus possible, c'est sur les stocks. C'est un nouveau dispositif, un genre nouveau, voilà, qui va faire son apparition, et qui a déjà fait son apparition en Ile-de-France, et c'est une sorte de radar fixé au niveau des panneaux stock. Alors je vais t'expliquer un petit peu, comme c'est écrit, je vais te lire un petit peu des bouts de l'article que j'ai sous les yeux, pour que tu comprennes le plus possible. La grande famille des radars va s'agrandir. Le dernier né, qui en fait n'est autre à proprement parler, est composé d'une caméra vidéo et d'un système de lecture automatique des plaques d'immatriculation. Ça cible les panneaux stop. Si un automobiliste s'approche de la zone en question à trop vive allure, tu vois, si t'as le pied un peu trop accéléré sur la champignon, eh ben le panneau va tout simplement, ou plutôt la caméra, va se mettre en tête que tu ne comptes pas freiner au panneau stop. Et là, ce qui va se passer, c'est que le dispositif va se déclencher. La caméra va commencer à filmer l'action, si je peux dire comme ça, l'arrêt, et déclenche l'enregistrement vidéo, ainsi que la relève de l'immatriculation. Et derrière cet petit écran, il y a un policier installé dans un centre de contrôle qui peut constater l'effraction, si tu t'arrêtes ou pas. Et alors là, si tu t'arrêtes pas, mon pote, ben, il va tout simplement te foutre un PV électronique. Alors dans l'article c'est écrit une poule aux œufs d'or, effectivement c'est quelque chose de juste énorme, parce que le risque encouru c'est pas négligeable ma biche, tu vois, c'est au moins 135 euros d'amende et ça peut monter jusqu'à 750 euros d'amende si tu grilles un feu stop équipé bien évidemment de ce dispositif et de 4 points sur ton permis. Je te précise que si t'es jeune conducteur, t'as 10 points sur le permis, et si t'as plus de 2 ans de permis, c'est 12. Donc 4 points, ça fait réellement mal. Je pense que tu peux le comprendre. Il faut surligner l'utilité d'un point de vue sécuritaire, mais bon, franchement, les gars, la sécurité, on l'a compris, etc. Ça peut aider, ça va quand même rapporter pas mal de thunes à l'État. Alors, quelques petits chiffres. En 2014-2015, 14% des accidents mortels sont liés à un non-respect des priorités.
Donc voilà, un CD, le passage qu'on n'a pas cédé, un feu stop où on ne s'est pas arrêté. Ça représente quand même un certain chiffre et donc ils ont mis ce dispositif à proprement dit pour limiter la mortalité, mais on est bien au courant les gars, c'est pour se mettre les couilles en or. Alors ce dispositif a déjà été testé, un premier dispositif de ce genre a été mis en place à hier dans le 91 et la note pourrait être salée. Lors de la phase de test, donc une phase de test elle a duré si je dis pas de bêtises une demi-journée, donc une après-midi les gars. Il y a eu au moins 500 effractions qui ont été constatées, donc en une après-midi, en quelques heures, plus de 500 personnes qui ont grillé le feu stop équipé de ce système. Selon Autoplus, ils ont fait un petit calcul, cela représente 67 500 euros potentiels qui va revenir à l'État en une après-midi. Est-ce que tu imagines le délire? En une après-midi, pratiquement 70 000 euros. Alors forcément, je te laisse imaginer si tous les panneaux stop sont équipés de ce système partout dans la France, ça va représenter des millions mais des millions d'amendes. Des points qui vont partir en fumée. Et là les biches on va commencer à être dans la merde. Pour finir rapidement je vais donner un petit peu mon avis. Je trouve que c'est réellement pas le meilleur moyen. On est d'accord. Certes sur le point de vue sécuritaire ça va faire flipper les gens. Et maintenant quand tu vas arriver à un panneau stop tu vas vraiment ralentir. Mais quand même ça reste quelque chose de trop. C'est trop, c'est de l'abus qu'ils font maintenant. Entre les radars maintenant, ces fameux panneaux stop, c'est beaucoup trop. N'hésite pas à me mettre toi dans l'espace commentaire. Qu'est-ce que tu en penses, à débattre un petit peu avec moi. Ça nous concerne tous. Si t'es jeune et que t'as pas encore le permis, ben, c'est pour tes parents que ça va prendre. Donc ça te concerne directement. Si t'as déjà le permis, ça te concerne directement. Donc tu mets ça dans l'espace commentaire. En tout cas, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère réellement que le gameplay t'a plu. Mais il n'y a pas de souci au niveau de ce gameplay. Je m'en fais pas, franchement. J'espère réellement que vous allez faire votre taf et faire péter les commentaires et les likes. Tu lâches ton petit commentaire, voilà, pour débattre un petit peu avec moi de ces petits sujets. T'hésites pas à t'abonner à l'Obscur Clan si c'est pas déjà fait. Et au player, ça sera dans la description. Et puis moi, je vous dis ciao les gars, c'est NoFrags. Allez, kiss. Rapporter pas mal de thunes à l'État. Alors, quelques petits chiffres. En 2014-2015, 14% des accidents mortels sont liés à un non-respect des priorités. Donc voilà, un CD, le passage qu'on n'a pas cédé, un feu stop où on ne s'est pas arrêté. Ça représente quand même un certain chiffre et donc ils ont mis ce dispositif à proprement dit pour limiter la mortalité. Mais on est bien au courant les gars, c'est pour se mettre les couilles en or. Alors ce dispositif a déjà été testé. Un premier dispositif de ce genre a été mis en place à hier dans le 91 et la note pourrait être salée. Lors de la phase de test, donc une phase de test elle a duré si je dis pas de bêtises une demi-journée, donc une après-midi les biches. Il y a eu au moins 500 effractions qui ont été constatées. Donc en une après-midi, en quelques heures, plus de 500 personnes qui ont grillé le feu stop équipé de ce système. Selon Autoplus, ils ont fait un petit calcul, cela représente 67 500 euros potentiels qui va revenir à l'État en une après-midi. Est-ce que tu imagines le délire? En une après-midi, pratiquement 70 000 euros. Alors forcément, je te laisse imaginer si tous les panneaux stop sont équipés de ce système partout dans la France, ça va représenter des millions mais des millions d'amendes. Des points qui vont partir en fumée. Et là les biches on va commencer à être dans la merde. Pour finir rapidement je vais donner un petit peu mon avis. Je trouve que c'est réellement pas le meilleur moyen. On est d'accord. Certes sur le point de vue sécuritaire ça va faire flipper les gens. Et maintenant quand tu vas arriver à un panneau stop tu vas vraiment ralentir. Mais quand même ça reste quelque chose de trop. C'est trop, c'est de l'abus qu'ils font maintenant. Entre les radars maintenant, ces fameux panneaux stop, c'est beaucoup trop. N'hésite pas à me mettre toi dans l'espace commentaire. Qu'est-ce que tu en penses, à débattre un petit peu avec moi. Ça nous concerne tous. Si t'es jeune et que t'as pas encore le permis, ben, c'est pour tes parents que ça va prendre. Donc ça te concerne directement. Si t'as déjà le permis, ça te concerne directement. Donc tu mets ça dans l'espace commentaire. En tout cas, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère réellement que le gameplay t'a plu. Mais il n'y a pas de souci au niveau de ce gameplay. Je m'en fais pas, franchement. J'espère réellement que vous allez faire votre taf et faire péter les commentaires et les likes. Tu lâches ton petit commentaire, voilà, pour débattre un petit peu avec moi de ces petits sujets. T'hésite pas à t'abonner à l'Obscur Clan si c'est pas déjà fait. Et au player, ça sera dans la description. Et puis moi, je vous dis ciao les gars, c'est NoFrags. Allez, kiss. Maintenant entre les radars maintenant, ces fameux panneaux stop, c'est beaucoup trop. N'hésite pas à me mettre toi dans l'espace commentaire. Qu'est-ce que tu en penses, à débattre un petit peu avec moi. Ça nous concerne tous. Si t'es jeune et que t'as pas encore le permis, ben c'est pour tes parents que ça va prendre. Donc ça te concerne indirectement. Si t'as déjà le permis, ça te concerne directement. Donc tu mets ça dans l'espace commentaire. En tout cas, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère réellement que le gameplay t'a plu. Mais il n'y a pas de souci au niveau de ce gameplay. Je m'en fais pas, franchement. J'espère réellement que vous allez faire votre taf et faire péter les commentaires et les likes. Tu lâches ton petit commentaire, voilà, pour débattre un petit peu avec moi de ces petits sujets. T'hésites pas à t'abonner à l'Obscur Clan si c'est pas déjà fait. Et au player, ça sera dans la description. Et puis moi, je vous dis ciao les gars, c'est NoFrags. Allez, kiss. Commentaires et les likes. Tu lâches ton petit commentaire, voilà, pour débattre un petit peu avec moi de ces petits sujets. T'hésites pas à t'abonner à l'Obscur Clan si c'est pas déjà fait. Et au player, ça sera dans la description. Et puis moi, je vous dis ciao les gars, c'est NoFrags. Allez, kiss. Et puis moi, je vous dis ciao les gars, c'est NoFrags. Allez, kiss.
Allez, kiss. Like a Hellcat. Hellcat.